Yo tout le monde, ici Dal Gaming et bienvenue pour des promos bonus de la semaine sur GTA 5 Online. Alors, on a une belle semaine spéciale boîte de nuit. On a plusieurs véhicules en promo et sans plus tarder, on va se lancer la voiture pour la route du casino. Et comme vous pouvez l'apercevoir, il s'agit de la Karine Trevion. Alors, on va aller tourner la roue. Des fois qu'on aura une petite chance. Allez hop! Vous essayez le petit truc de compter jusqu'à 2. 1, 2, un petit coup de joystick. Ça marche pas toujours, ça dépend si on est précis ou pas. Allez. Ah merde, trop rapide, wesh, je suis deg. Des jetons, mais écoutez, avec ça, c'est 7 millions de jetons, c'est pas utile, mais en tout cas, on va le prendre pareil. On va se diriger tout de suite au salon et le soto pour voir le véhicule sur le slam truck comme à l'habitude et les véhicules à tester. Et oui, comme on peut l'apercevoir, il s'agit de la BF WeWheel. Alors je m'attendais à mieux comme véhicule, mais bon, on va prendre ce qu'il y a. Défi, salon, défi pour le remporter bien sûr. Terminé dans le top 3 d'une course d'épreuve de course de rue 2 jours d'affilée. Le premier des trois véhicules à tester au salon LSEDO, il s'agit de la Vapid Chino, qu'on peut retrouver au Legendary Motorsport. Le deuxième véhicule, il s'agit de la Lampadati Commoda, qu'on peut retrouver au Legendary Motorsport. Et le troisième véhicule, il s'agit de la Dinka Blista Kanjo, qu'on peut retrouver au Souterne cette fois-ci. Et le quatrième véhicule qu'on peut tester, mais qu'on voit pas parce que moi je suis sur PC et qui est seulement disponible sur PS5 et la Xbox Series, il s'agit de la Bravado Banshee. On est maintenant arrivé au Luxury Auto. Et les deux véhicules cette semaine, il s'agit de la Enus Paragon R et de la prochaine Emirus. Oui, j'aimerais avoir le motif de ce véhicule sur ce véhicule et vice versa. Mais bon, ça c'est mes goûts à moi. Nous sommes maintenant arrivés au Premium Deluxe Motorsport, comme vous savez, le concessionnaire de Monsieur Simeon. Alors, les 5 véhicules cette semaine. On a la Albany Hermes, la D-Class Tahoma Coupé, la D-Class Yosemite, la Emperor ETR1 et la Vapid FMG. On a une très belle brochette cette semaine, c'est très diversifié. La Hermès, ça me fait passer à la voiture dans les bagnoles. Pour ceux qui se rappellent. Les pick-up, très nice. Les gains sont doublés dans la popularité de la boîte de nuit. Les revenus liés à la popularité de celle-ci rapportent le double de $1,000 dans le coffre-fort. Et pour maintenir cette popularité au maximum et ainsi augmenter vos revenus quotidiens, les missions de gestion de la boîte de nuit se lançant depuis l'ordinateur du bureau de la boîte de nuit augmentent deux fois plus rapidement. Les gains sont doublés dans les missions de réapprovisionnement de l'entrepôt de la boîte de nuit. Alors quand vous appelez Johan qui vous propose une mission, les marchandises sont x2. Les gains à $1 et à RP sont doublés dans le mode rivalité défense offensive. Alors pour participer, ligne, activité, jouer activité créée par Octobre, ça se trouve dans le mode de rivalité. Défense offensive, x2 $1 et RP. Le personnel de la boîte de nuit vont être plus performants de 50% pour la productivité des marchandises. Le contre-la-montre régulier de cette semaine se trouve à Galio Park, temps à battre 2 minutes 5 secondes. Le contre-la-montre RC Bandito se trouve à la Fuente Blanca, temps à battre 1 minute 27. Et le contre-la-montre HSW se trouve à Vinwood Est. On commence les promos de véhicules sur le Legendary avec la fameuse ETR1. Prix régulier 1 995 000 $ et en promo 1 496 250 $. On continue avec la FMG. Prix régulier 1 750 000 $ et en promo 1 312 500 $. On a la Lampadati Commoda. Alors, pour avoir le tarif spécial, bien sûr, attendez, il faut choisir une couleur. Tarif spécial, il faut terminer la phase finale du braquage du Diamond Casino. Attaque chef d'équipe avec ce véhicule.
Alors, pour ceux qui ont le tarif spécial, le prix régulier de 1 274 000 et en promo, 956 250. Et pour ceux qui vont payer plein de balles comme que je l'ai fait, le prix régulier est de 1 700 000 et en promo, 1 275 000. On continue avec la prochaine Emerus. Alors, je la vois en spécial sur le Legendary, mais sur le site où que je prends toutes mes infos pour faire la vidéo, elle n'est pas affichée, donc c'est peut-être une erreur. On va la nommer pareil, 2 750 000 comme prix régulier et en spécial 2 062 500. On tombe maintenant sur le Southern et le prix régulier pour la déclasse Tahoma coupée est de 1 500 000 et en promo 1 125 000. On continue avec la BF Surfer Custom. Prix régulier 442 500 et en promo 331 875. On a le D-Class Yosemite. Prix régulier 485 000 et en promo 363 750. On a terminé avec les promos de véhicules. Alors regardez la vue où qu'on est perché. C'est magnifique. Wow. Pour un jeu qui est sorti en 2013, c'est hallucinant. Alors, les boîtes de nuit et ses personnalisations sont à moins 35% cette semaine. N'oubliez pas que vous avez 125 000 GTA qui vous est offert gratuitement, qui va être déposé sur votre compte Miss Bank dans les 72 heures. C'était tout pour les promos bonus de cette semaine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir toutes les listes de lecture que j'ai sur la chaîne, sur une multitude de jeux, et moi je vous dis à la prochaine! We'll be right back.